Test, 1, 2, test. Test, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, test. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
vraiment, ouais. Mais ils gueulent pas aujourd'hui. Je vais essayer. Je vais essayer. Test, 1, 2, test, ok, je suis correct.
Alors, tout est en place pour ce duel entre les Filons du Cégep de Thetford et le Boomerang du Cégep André Laurendeau. Les Filons, toujours entraînés par l'entraîneur-chef Martin Bernard. Ils ont une fiche de 2 victoires, 2 défaites à la régulière et 1 défaite en prix d'égalité. Du côté du Boomerang du Cégep André Laurendeau, de l'entraîneur-chef Alexandre Dardenneau, 1 victoire, 3 défaites à la régulière et 1 revers en prix d'égalité. Alors, au départ, pour les Filons, on va retrouver le gardien de but, Philippe Bourdange, ainsi que les patineurs, Maxime Gagné, Mathieu Fortin, Gabriel Chapdelaine, Vincent Boulet et Samy Marcoux. Du côté du Boomerang, ce sera Charles Paquet, en compagnie de son acolyte Elliott Boissonneau à la défensive, Simon Laramé, Antoine Lucier et Julien Arsenault pour débuter la partie. Bon match, mesdames et messieurs, Filons contre le Boomerang, ici même à l'aréna Silvio Manta. Alors que la rondelle est récupérée par Boissonneau pour Laramé. Laramé qui est bien surveillé par Fortin. Ça devient une bataille le long de la rampe et c'est récupéré par Fortin. En zone offensive maintenant, il déborde la défense. Fortin s'en va dans le coin, laisse la rondelle à la ligne bleue. Finalement, c'est bloqué. Récupéré par Laramé pour Arsenault. Arsenault à la ligne rouge, dégagera à l'autre bout et retournera à son banc. Ça sera récupéré par Antoine Lucier. Laramé maintenant qui a la rondelle. Laramé prend son temps. Il va d'un tourniquet, tentant de rejoindre Philippe Lucier. Et ça sera celui-ci qui a la rondelle en zone neutre en compagnie de son frère Antoine. Et ça sera récupéré par Dufour. Interception de Lucier. Antoine Lucier qui dégage le long de la rampe, récupéré par Dufour. Ça s'en va en défensive du côté des Filons. La sortie maintenant de Boulet. Boisvert qui a le disque le long de la rampe, là c'est pour son coéquipier. Du côté des Filons, là on va s'installer en compagnie de Dufour. Derrière le filet maintenant, Dufour qui est là. Non, c'est intercepté par Franqueur pour Lavallée-Gravel. Lavallée-Gravel en contrôle du disque, perd des mains de Boisvert. Boisvert qui tente un tir, ça rate la cible et ça s'en va vers Franqueur en zone neutre, récupéré cette fois-ci par Labrec en compagnie de son coéquipier Bélanger. Et ça sera un dégagement des Filons jusqu'à l'autre bout et ça sera refusé contre la formation de Thetford Mines puisqu'ils n'ont pas traversé la ligne rouge et ça sera un dégagement refusé.
pour les filons. Gravel qui est au cercle contre Aubert. Gravel qui remporte la mise en jeu et aussitôt, ça revient vers Gauthier qui tente de pousser. C'est récupéré cette fois-ci par Boisvert en compagnie de Dufour. Dufour s'amène, applique les freins, tente un tir, c'est bloqué par Dubourg-Vandal. Et aussitôt, Girard va dégager, récupéré par Bélanger en compagnie de son coéquipier Poirier au capitaine Bélanger. Un dégagement à l'autre bout, ça ne sera pas refusé puisqu'il y a eu l'intervention du gardien de but Antoine Dubourg-Vandal, intercepté là, par les filons. C'est récupéré derrière le filet. On s'installe là, du côté de Thetford en compagnie de Boulaire. La défensive, maintenant un tir de loin de Mathieu. C'était bloqué. Et là, ça devient une bataille. Là, l'autre la rampe. Poirier qui tente un tir dévié à l'extérieur. Finalement, ça revient vers Vandal qui va immobiliser le tout. Et ça n'ira pas plus loin. 2 minutes 28 écoulées à cette première période. 0-0, la marque entre les deux équipes. Les filons du cégep de Thetford qui rendent visite aujourd'hui au boomerang du cégep André Laurendeau. Fondel qui se retrouve derrière le filet. Sauvé qui est là, finalement c'est récupéré par Gauthier. Thomas Gauthier des filons. Ça devient une bataille le long de la rampe, récupérée par Labrec qui tente un tir bas, c'est repoussé par Vandal, récupéré par la suite par Blanchard, devant lui à Sauvé. Sauvé maintenant, qui va laisser la rondelle filer dans le flanc opposé. L'intervention de Bourdange, ça devient une bataille récupérée par Bizier, en compagnie de Poirier. Finalement, c'est intercepté par le boomerang, un tir dévié par Blanchard devant le gardien de but, et le tout a été bloqué par Philippe Bourdange. Le boomerang qui a tenté un tir de loin, qui a été dévié par William Blanchard. Mise en jeu remportée par les filons Arsenault qui est là dans le coin. Une remise à la ligne de ringuette finalement. C'est un dégagement récupéré par Jolette dans son territoire. Eliott Jolette en compagnie de Simon Laramé pour Philippe Lucier qui est bousculé dans le coin. C'est récupéré par Fortin. Une passe en Marcou. Poulet maintenant qui est là. Tire bas bloqué par Vandal. Pas de retour. Commencement de dispute. Jolette qui est là en compagnie de Fortin. Et rapidement, les officiels interviendront. Un enjeu qui sera joué à la gauche d'Antoine Dubourg-Vandal. C'est remporté par les filons et c'est Chapdelaine qui a le disque. Chapdelaine prend son temps, laisse en Fortin. Fortin qui est mis en échec par Jolette. Finalement, ça devient une bataille à quatre pour la rondelle. Récupéré par Philippe Lucier en compagnie de Lavallée Gravel. Fortin qui intercepte. Un tir qui est bloqué. Ça provenait cette fois-ci de Boisvert et c'est la contre-attaque du boomerang en compagnie de Lavallée Gravel qui a été interceptée. Et les filons qui vont dégager à l'autre bout, gracieuseté de Boisvert. De Aubert, pardon. Un tir de loin de Dufour qui rate la cime. Ça s'en va vers l'autre Dufour. À la ligne rouge, dis-je. Boisvert, Bélanger à Dufour. Une passe qui dévie sur le bâton de Mathis Dufour et c'est récupéré par Antoine Dubourg-Vandal le long de la rampe. Mathis Dufour qui est là pour son coéquipier Boisvert. Bataille pour le disque, ça revient à la ligne bleue. Bélanger qui tente un tir, ça rate la cime. Ça s'en va vers Dufour. Justin Dufour. Et finalement, la rondelle qui est sortie à l'extérieur de la surface glacée, ça n'ira pas plus loin. 15 minutes, 15 secondes à jouer à cette première période. La marque 0-0 entre Thetford Mines et le cégep André Laurendeau. Mise en jeu à la gauche d'Antoine Dubourg-Vandal.
C'est remporté par Gravel, récupéré par Adam Gauthier. Gauthier qui s'amène, laisse filer le long de la rampe. Il perd la rondelle et là, c'est récupéré rapidement par Nadeau. Une passe vers le filet. Finalement, la rondelle qui s'est retrouvée à l'extérieur du filet, directement derrière la cage. Et la rondelle qui n'a pas pu être bougée de sorte que les officiels ont sifflé l'arrêt du jeu. Et la mise en jeu qui sera jouée devant le banc du boomerang. Nadeau qui est au cercle, Mathieu Nadeau pour les filons contre Lucas Gravel pour l'Orange et Marine. C'est récupéré par Justin Dufour. Un tir de loin qui est capté par Dubourg Vandal qui va ramener le disque à la ligne bleue. Les filons qui tentent de s'installer avec la passe transversale de Nadeau. Le jeu qui se transporte le long de la clôture jusqu'à la ligne de ringuette. Dufour qui est là en compagnie de Nadeau. Bataille pour le disque. Un tir de Goulet qui est bloqué. Et finalement, c'est Lucas Gravel qui a la rondelle. En compagnie de Milos Erny. Adam Gauthier qui est là. Milos Erny qui tente de gagner la rondelle. Et c'est Gravel qui va pousser dans le coin. Profite son coéquipier Gauthier. Et les filons qui ont la rondelle maintenant, le long de la rampe, mise en échec de Gravel, qui va sortir le disque de son territoire. Et ça sera la transition de Girard derrière lui. Milos Erny maintenant, un tir qui est bloqué. Retour récupéré par les filons. Et ça sera récupéré par Bélanger. Le capitaine Antoine Bélanger qui remet à la ligne bleue du boomerang, récupéré par Charles Paquet. Paquet à la ligne rouge, un dégagement de sauvé. Ce sera l'intervention de Bourdange le long de la rampe, intercepté par William Blanchard qui n'a pas pu réceptionner. Sauvé qui est là, laisse devant lui. Blanchard qui tente un tir qui fut bloqué par son adversaire Poirier. Rondelle qui est sorti en zone neutre. Et Marcotte qui va dégager à l'autre bout. Ça sera récupéré par Simon Poirier. Un dégagement par la rampe. Ça s'en va à la ligne bleue. Le boomerang qui bloque la tentative d'entrée offensive des filons. Ça sera Paquet qui va avoir la rondelle le long de la rampe avec Blanchard. Finalement, Blanchard ressaisit la rondelle après une bataille. La remise vers Marcotte qui dégage à l'autre bout. Bourdage qui a le disque. Bourdage laisse filer la rondelle le long de la clôture. Et ça sera la sortie des filons là, en compagnie de Fortin. Fortin qui s'amène a chuté. Jolette récupère la rondelle dans le coin. Une remise vers Antoine Lucier pour Arsenault en compagnie de Laramie. Laramie qui est bloqué à la ligne bleue et un hors-jeu en même temps qui a été provoqué. Ça sera l'arrêt du jeu. 12-37 à jouer en première période. 0-0 la marque entre les deux formations. Les enjeux remportés par le boomerang. Lucier qui laisse pour Jolette en compagnie d'Antoine Lucier maintenant. Ça revient vers Jolette pour Philippe Lucier, le défenseur. Arsenault à Lucier. Lucier qui dégage à l'autre bout. Récupération de Laramie. Laramie le long de la rampe. C'est intercepté et ça sera la contre-attaque là, de Boulet qui est bien surveillé. Chapdelaine qui est là. Finalement, Jolette qui va laisser filer la rondelle pour Arsenault en compagnie d'Antoine Lucier qui est bloqué à la ligne rouge. Contre-attaque de Boisvert, bien mise en échec par Jolette. Le boomerang qui dégage à la ligne bleue, ça revient vers Dufour. Un tir dévié, un retour qui est bloqué. Et rondelle qui sort du territoire du boomerang. Alors, un bon arrêt effectué par Antoine Dubourg-Vandal alors qu'il y avait une bonne circulation devant lui. Là, ça va être la sortie de Justin Dufour pour son coéquipier. Un dégagement qui est bloqué. Dufour, une remise un peu plus loin. Finalement, ça s'en va vers Boisvert. Avec Dufour, Boisvert maintenant à Aubert. Intercepté par Franqueur et Aubert. Alors, du jeu décousu un peu de la part des deux équipes. Un dégagement à l'autre bout de Bélanger. Et on appliquera des changements là, du côté du banc
de Martin Bernard. 11 minutes à jouer à la première période. La marque toujours 0-0 entre les deux équipes. Et entre-temps, il y a eu un dégagement refusé. Donc, mise en jeu qui sera jouée dans le territoire du Boomerang avec 10-55 à jouer à ce premier engagement. Mise en jeu à la gauche de Dubourg-Vandale entre Charland et le numéro 12, Nadeau. Là, il semble avoir eu de la confusion entre les officiels. Mise en jeu remportée par le Boomerang. Une passe ratée en direction de Francœur qui récupère par la suite. Une remise vers la Vallée Gravel. La Vallée Gravel qui entre à l'attaque en compagnie de Charland qui est bloqué. Ça revient vers Simoneau qui pousse un peu plus loin. Récupéré par Paquet qui va dégager le long de la rampe. Et ça revient vers Mathieu en compagnie de Poirier. Poirier maintenant une petite passe dans les patins de Goulet. Et ça revient vers Poirier en zone centrale. Goulet qui est là en compagnie de Simoneau qui dégage. Gravel maintenant qui a le disque. Luca Gravel en compagnie de Paquet et du numéro 8, Girard. Ça revient vers Goulet. Un tir qui est raté. Ça provenait là, de Simoneau qui était posté devant le filet. Et ça revient sur le bâton de Paquet. Paquet, une passe qui dévie sur des bâtons. Il s'est récupéré par les filons en compagnie de Gauthier qui est mis en échec solidement par Girard en zone neutre. Et le Boomerang qui récupère. Milos Unni maintenant qui a le disque qui est bousculé. Nadeau qui récupère. Nadeau s'amène. Tir bloqué par le bouclier de Vandale. Et il y aura pénalité contre les filons. C'est Mathieu Nadeau qui a fait trébucher le joueur du Boomerang. Et ce sera un avantage numérique pour la troupe d'Alexandre Dandenault. Une première ce soir. Alors, sur la patinoire pour le Boomerang, on aperçoit Antoine Lucier, Elliot Jolette, Simon Laramé, Julien Arsenault et Elliot Boissonneau. Et là, Antoine Lucier qui est chassé du cercle des mises en jeu. C'est Laramé qui va s'emparer de celle-ci contre son adversaire Bizier. Et le Boomerang qui a gagné trop vivement la mise en jeu, de sorte qu'il devra recommencer avec Boissonneau. Arsenault maintenant pour Laramé. Laramé qui y va d'une feinte, ça mène à l'attaque. Laramé tente une petite passe derrière le filet. Ça s'en va à Jolette pour Arsenault. Arsenault maintenant applique les freins, prend son temps. Regarde ses options. Finalement, une remise à Boissonneau. Boissonneau à sa droite pour Arsenault maintenant. Du haut des cercles, un tir qui dévie. Ça s'en va vers Laramé. Et ça fut repoussé par le gardien. Antoine Lucier qui tente un tir bas bloqué. C'est récupéré par Laramé de nouveau. À Lucier. En compagnie de Boissonneau. Arsenault maintenant qui est là du côté droit. Arsenault pour Boissonneau. À Laramé, une passe qui est jouée trop vivement. Finalement, c'est récupéré par Lucier. En compagnie de Boissonneau maintenant. Arsenault qui est là. Transversal en direction de Laramé. C'est un peu trop long. Mais le Boomerang a toujours possession du disque en compagnie de Lucier. Lucier, une passe devant le filet. C'est un peu trop long pour Arsenault. Ça revient à Boissonneau. Laramé maintenant. Une passe devant le tir. Antoine Lucier en avantage numérique. Et c'est 1-0. Bien que les passes n'étaient pas parfaites sur les dernières séquences, eh bien là, sur celle-ci, la passe fut parfaite dans l'enclave et le Boomerang a très bien travaillé en avantage numérique au cours des dernières secondes, en protection de rondelle, en possession du disque. Et Antoine Lucier, qui était laissé fin seul dans l'enclave, marquera le premier but du Boomerang. Un but marqué en avantage numérique. Ça revient vers Justin Dufour pour son coéquipier Bélanger. Un dégagement intercepté par le Boomerang. Ça sera
récupéré par Gauthier. Dufour maintenant. Interception de Blanchard qui va s'amener à l'attaque. Blanchard s'amène hors l'aile, prend son temps, contourne le filet. Blanchard, tout chaud en contrôle du disque. Est bousculé, ça revient vers les filons en compagnie de Boulet. C'est intercepté. Fortin qui est là. Fortin qui est bloqué. Blanchard qui récupère, laisse la rondelle libre pour Marcotte. Mais ce fut un dégagement des filons entre-temps. Avec 7:40 à jouer en première période. Toujours 1-0 la marque pour le Boomerang grâce à Antoine Lucier. Alors qu'on s'amène à l'attaque hors l'aile là, du côté de Blanchard qui est bien surveillé par Bélanger. Ça sera récupéré par Aubert. Et Filon qui tente une sortie. Et voilà, c'est fait en compagnie d'Aubert. Aubert qui tente un tir, c'est raté. Aubert qui récupère son propre tour. Bataille pour la rondelle avec Lavallée-Gravel. Dufour qui est là également, ainsi que Paquet. C'est récupéré par Aubin. Une petite passe interceptée par Lavallée-Gravel qui va s'amener à la ligne rouge en compagnie de Marcotte. Un dégagement à l'autre bout qui deviendra un tir bas. Et ce fut bloqué par le gardien de but Bourdange et ça n'ira pas plus loin. Avec 6:56 à jouer en première période. 1-0 la marque pour le cégep André Laurando. Le Boomerang qui a le disque là, avec Charland le long de la rampe, c'est récupéré par Boisvert. Un dégagement à l'autre bout, récupéré par Paquette à la ligne rouge. Franqueur en compagnie de Boissonneau. Boissonneau, une passe du côté opposé en direction de Charland. Finalement, ça s'en va vers Lavallée-Gravel. Une bataille pour le disque encore une fois. Lucier qui est là en compagnie de Franqueur et Lavallée-Gravel du côté d'André Laurando. Et Charland qui est là en appui. Finalement, Lavallée-Gravel a poussé un peu plus loin. Ça sera récupéré par Mathieu. Une passe le long de la rampe et ça devient un dégagement. Intervention de Vandal pour Lucier. Et là, le Boomerang qui voudra contre-attaquer rapidement avec le changement tardif là, des filons. Finalement, c'est récupéré par Gagné. Et il y aura pénalité contre les filons pour avoir fait trébucher. Et c'est le numéro 71, Samy Marcoux, qui ira au cachot. Et le Boomerang aura une occasion de doubler son avance puisqu'il sera en jeu de puissance. Lucier en compagnie d'Arsenault, Jolette, Boissonneau et Laramé sur la patinoire. C'est remporté par le Boomerang. Aussitôt, Laramé qui remet à Boissonneau pour Arsenault. Arsenault, une passe, c'est trop long. Et la rondelle qui a été déviée là, par le bâton de Gauthier à l'extérieur de la surface glacée, de sorte que le sifflet a été appelé. Mise en jeu qui sera jouée dans le territoire des filons. Antoine Lucier au cercle contre Thomas Gauthier. C'est remporté par Gauthier et aussitôt la rondelle se retrouve dans le coin. Récupéré par Jolette pour Lucier. Lucier qui prend son temps. Permutation avec Laramé, ça revient à Lucier. Un petit tourniquet, une remise à Laramé à la ligne bleue. Laramé s'amène au cercle, prend son temps. Regarde ses options, une remise à la ligne bleue, Boissonneau qui est là, en compagnie de Laramé. Laramé s'amène, une feinte, une passe dans l'enclave. Ce fut intercepté pour un dégagement par Bizier. Et le Boomerang qui devra recommencer aussitôt, Laramé qui est là. Laramé s'amène hors l'aile, contourne le filet, prend son temps. Laramé s'amène au cercle, un tourniquet, une remise à Arsenault. Arsenault à Jolette, Arsenault à Laramé. Une passe qui est trop vive pour la ramer. Et on devra recommencer du côté de la troupe d'Alexandre Dardenneau avec une 50aine de secondes restantes à la pénalité. Des filons. 4 minutes 40 à jouer. En première période, le Boomerang en avance 1-0 grâce à Antoine Lucier. Boissonneau maintenant pour la Lavallée-Gravel qui va s'amener hors l'aile. La Lavallée-Gravel applique les freins, prend son temps. Prend son temps avec au cercle, une remise à la ligne bleue pour Charland. Charland, une passe transversale, c'est trop long. Finalement, c'est un dégagement de Gagné. Et la rondelle qui a touché là, le mur derrière le banc
des filons. Et ça n'ira pas plus loin. 25 secondes restantes à la pénalité. Des filons. Marcoux qui a été chassé pour avoir fait trébucher. Enjeu remporté par le boomerang. Gauthier qui a le disque. Gauthier à franqueur à la ligne de ringuette. Gauthier prend son temps. Il observe ses options. Une remise à la ligne bleue. Gauthier qui est là à sa gauche pour Charland. Tir de Charland qui est bloqué. Finalement, c'est un dégagement à l'autre bout de la part de Chapdelaine. Et c'est ce qui mettra un terme à la pénalité de Marcoux. Retour à 5 contre 5. Paquet qui s'amène à l'attaque. Paquet s'amène. Un tir qui est bloqué en défensive. Finalement, c'est récupéré par les filons et c'est Goulet qui a la rondelle. Goulet prend son temps. Une petite passe en direction de Simoneau. C'est bloqué par Charland qui remet à la ligne bleue des filons. Ça revient vers Mathieu en compagnie de Poirier. Une passe à Goulet. Un tir de Goulet qui est bloqué par Vandal avec ses jambières. Un autre tir cette fois-ci, mais qui est raté. Rondel qui se retrouve dans le coin. C'est une bataille pour le disque remportée par les filons. Poirier qui a la rondelle. Un tir qui touche la baie vitrée derrière Antoine Dubourg-Vandal. Un autre tir qui rate la cible cette fois-ci. Alors, beaucoup de tirs de l'extérieur de la part des filons. Très peu de tirs cadrés ou du moins des tirs dangereux dans l'enclave. Un signe que le boomerang fait du bon travail en défensive. Paquet qui s'amène à l'attaque. Paquet s'amène, prend son temps. Une petite passe, ça touche des patins, ça revient vers Milos Olny qui est bousculé. Et ça sera Marcoux là, qui ne gagnera pas la rondelle. Milos Olny s'amène à l'attaque, échappe le disque. Ça revient vers Fortin. Et belle bataille gagnée par Lucier pour son coéquipier Jolette. Et le boomerang qui recommencera l'attaque. Le Gravel qui s'amène. Gravel prend son temps. Laisse la rondelle filer derrière le but pour Milos Olny. C'est intercepté. Récupéré par Gravel. Une passe dans le haut de l'enclave. Le tir de Blanchard qui est bloqué. Et ça revient à la ligne bleue. Lucier qui est là. Un tir qui est dévié à l'extérieur. Ça revient vers Gravel. Gravel dans le coin pour Blanchard. Blanchard est bien surveillé, mais utilise son gabarit pour garder possession de la rondelle avec Lucier maintenant. Finalement, c'est récupéré par Justin Dufour. Bataille pour la rondelle. Ils sont plusieurs. Finalement, c'est gagné par Gravel qui va rater son lancer. Ça revient vers Philippe Lucier. Une remise derrière le filet. Milos Olny qui est là. Et c'est récupéré par Gravel en compagnie de Lucier. Une bataille pour la rondelle, mise en échec dans le coin. Il va rester 90 secondes au cadran de cette première période. Philippe Lucier, une remise. Un tir de loin de Jolette qui est capté par le gardien de but Philippe Bourdage. Ça n'ira pas plus loin. 1:26 à jouer en première période. Le boomerang qui mène 1-0 grâce à Antoine Lucier. Alors, une bonne période jusqu'ici de la part du boomerang. Les enjeux qui est remporté par les filons. Ça sera récupéré par Chapdelaine le long de la rampe. Intercepté par Sauvé. Chapdelaine qui est là en compagnie. Finalement, c'est intercepté par Blanchard. La passe devant, un tir qui rate de la part de Marcotte. Et les filons qui vont s'amener à l'attaque avec le dégagement de Dufour. Ça s'en va vers Dubourg-Vandal pour son coéquipier Gauthier. Marcotte qui est là. Une remise le long de la baie vitrée. Boisvert qui remet devant lui. Dernière minute de jeu de cette première période. Qui a été marqué par un jeu de puissance du boomerang qui a inscrit l'unique but de cette période pour l'instant. Il y a un dégagement qui a été refusé contre le cégep de Thetford Mines. Sur la patinoire du côté d'André Lorando, Blanchard qui est là, en compagnie de Jaudoin, Gauthier, Sauvé et Marcotte. Côté des filons, Aubert qui est là en compagnie de Dufour. Gagné également. Boisvert. Aubert également qui est sur la patinoire. Ils viennent de gagner la mise en jeu et par la suite, la rondelle se retrouve dans le coin. Beau travail de Sauvé qui va dégager par la clôture. C'est récupéré à la ligne 2. Un tir de gagné qui rate.
Finalement, ça revient vers Marcotte en compagnie de Sauvé. Sauvé qui laisse la rondelle libre en zone neutre. C'est récupéré par Boisvert en compagnie de Dufour. Dufour qui voit cette rondelle être interceptée. Le boomerang qui va dégager. Attention, course pour la rondelle. Finalement, c'est le gardien Bourdage qui interviendra pour éviter les dégâts. Le boomerang qui récupère. Gracieuseté de Boissonneau le long de la clôture en compagnie de Lucier. Ça revient vers Gagné. Mise en échec d'Arsenault. Gagné qui est là. Gagné qui a le disque. Un dégagement dans le territoire du boomerang. Et c'est ce qui mettra un terme à cette première période. Eh bien, le boomerang qui mène 1-0 grâce au but marqué par Antoine Lucier en avantage numérique à 11:37 de ce premier engagement. Simon Laramé et Elliott Boissonneau ont été les complices sur ce but. Alors la marque après 20 minutes de jeu, le cégep André Laurendeau qui est en avance 1-0 contre les filons du cégep de Thetford Mines. On va se retrouver dans environ une douzaine de minutes pour la description et l'analyse de la deuxième période de ce match. Restez là. All right.
Nous sommes de retour pour la deuxième période de ce match. Le Boomerang en avance 1-0 contre les Filons du cégep de Thetford Mines. Alors que la troupe d'Alexandre Dandenault voudra consolider son avance, eh bien, les Filons voudront, eux, créer l'égalité. Reste à voir si le tout se fera. Alors, Samy Marcoux au cercle. Pour les Filons contre Lou-Olivier Charland pour le Boomerang. Charland qui jouera en compagnie de Lavallée Gravel. Il manque un attaquant là, qui saute dans la mêlée. C'est Raphaël Marcotte. C'est parti pour la deuxième période. Paquet qui remet à Lavallée Gravel qui dégage du ravin. Ça s'en va vers Bourdage. Bourdage maintenant le long de la rampe. Finalement, c'est récupéré par Lavallée Gravel. Intercepté par Boulet qui va s'amener à l'attaque. Boulet bien surveillé par Francoeur. Francoeur
Interception de Bélanger, c'est bloqué. Récupéré par Paquin. Finalement, Franqueur qui récupère aux mains de la Vallée-Gravel maintenant. Une remise vers Charland. Et une passe trop vive à la ligne bleue. C'est récupéré par Boissonneau. Boissonneau qui a le disque. Une passe en direction de Laramie. Finalement, c'est touché par Lucier. Lucier qui perd des mains de Simoneau et ça sera récupéré par Goulet. Goulet maintenant, un tir bas bloqué par Dubourg-Vandal. Et le boomerang dégagera. Récupéré par Laramie. Attention, possible 2 contre 1. Laramie s'amène un tir. Il rate la cible. Ce n'était qu'une question de centimètres. Il avait touché la baie vitrée derrière le gardien Bourdage. Nadeau qui envoie la rondelle vers le gardien. Vandal qui a capté le disque et ça n'ira pas plus loin. Mise en jeu qui se jouera dans le territoire de l'Orange et Marine. Alors qu'on aperçoit Luca Gravel en compagnie de Félix Girard et Daniel Milosarny. En défensive, c'est Elliott Jolette en compagnie de Philippe Lucier. Mise en jeu gagnée là, par les filons. Boisvert qui est là, bien surveillé. Finalement, ça sera une sortie de Gravel. Gravel, une passe en direction de Milosarny qui s'amène. Attention, le tir, il rate la cible. Et rondelle qui va sortir du territoire d'André Lorando. Ce sera l'intervention de Dubourg-Vandal derrière son filet maintenant. C'est récupéré par les filons. Dufour qui est là devant pour Boisvert. Une passe devant lui. Tir d'Aubert qui est bloqué. Commencement de dispute, mais rien de majeur à signaler. Et ce sera l'arrêt du jeu. Antoine Lucier qui est au cercle. Remporte la mise en jeu. Ça s'en va vers Gauthier. Le long de la rampe maintenant, Laramie qui est là. En compagnie d'Antoine Lucier à la ligne rouge. Lucier va dégager à l'autre bout. C'est récupéré par Arsenault derrière les défenses adverses. Une bataille pour le disque. Finalement, c'est récupéré par les filons. Interception à la ligne rouge. Arsenault maintenant derrière pour Laramie. Tire de Laramie, le but! Simon Laramie! C'est 2-0! Et bien là, un jeu initié par Léandre Jaudoin sur cette sortie de territoire. Et par la suite, des passes qui se sont rendues jusqu'à Simon Laramie. Et c'est 1-0! Alors, Léandre Jaudoin qui aurait son premier point au niveau collégial Division 2 à son premier match. C'est l'entrée de territoire de Blanchard qui s'amène. Blanchard s'amène, contourne le filet, prend son temps, laisse à la ligne bleue. Sauvé qui est là, tire de Sauvé qui rate la cible. Ça s'en va en direction de Gauthier qui pousse un peu plus loin. Finalement, ça va être la sortie des filons en compagnie de Nadeau, qui est bien surveillé par Jaudoin, qui pousse la rondelle dans le coin. Beau travail de Jaudoin. Ça sera récupéré là, le long de la rampe dans le coin. Gauthier qui est là avec Sauvé, qui laisse filer la rondelle jusqu'à la ligne bleue. Mathieu qui a la rondelle, tir voilé, qui rate la cible. Et ça sera un dégagement le long de la clôture, récupéré par Blanchard, qui est bousculé par Boulet. Ça sera une récupération de Gauthier. Gauthier derrière sa cage en compagnie de Jaudoin. Finalement, c'est un dégagement à l'autre bout de Justin Dufour. Récupéré par Jaudoin. Une passe interceptée par Dufour. Récupéré par Boulet. Non, c'est Nadeau qui est là. En compagnie de Goulet qui rate la cible. Ce sera Gauthier maintenant. Avec Jaudoin. Gauthier. Le long de la clôture, finalement, c'est intercepté par le boomerang. Lucas Sauvé qui s'occupera de cette transition.
Sauvé qui est bloqué à la ligne rouge. Boulet maintenant. Une passe en direction de Simoneau. C'est trop long. Récupéré par Marcotte. Marcotte. Une passe interceptée à la ligne bleue. Attention, les filons qui s'amènent là. Finalement, le jeu qui est bloqué. Ça sera récupéré dans le coin par Nadeau. Mathieu Nadeau à Bélanger. C'est bloqué en défensive. Goulet qui tente un tir. Ça rate complètement le filet. Ça s'en va vers Justin Dufour à Simoneau. Derrière le filet, Nadeau qui est là. Nadeau bien surveillé en défensive par Paquet. Et là, ça sera une bataille pour la rondelle. Récupérée par Girard en compagnie de Marcotte. Marcotte qui pose la rondelle derrière les défenses adverses. Il retournera au banc. Il en est de même pour Jodoin. Donc, des nouvelles forces sur la patinoire. 3 contre 1. Tir qui est bloqué. Le retour devant. Bloqué par Dubourg-Vandal. Commencement de dispute. À l'embouchure du filet. Le jeu qui se poursuit. Et finalement, c'est récupéré par Paquet. Un tir bloqué en défensive. Récupéré par Gravel. Interception en zone neutre de Dufour. Bousculé par Paquet. Poissonneau qui laisse le long de la rampe. Et ça sera l'entrée de territoire de Milan-Saint-Denis qui est bloquée. Boisvert qui est là. Belle surveillance défensive de Girard, de sorte que Gravel peut récupérer. La passe à Milan-Saint-Denis qui rate la cible. Ça s'en va vers Jolette à la ligne bleue. Jolette prend son temps à Poissonneau. Poissonneau rate son tir. Ça s'en va vers Jolette. Le long de la clôture. Et finalement, le filet qui a quitté sa position initiale du côté des filons. Et ça n'ira pas plus loin. Avec 14-42 à jouer en deuxième période. Le boomerang connaît toute une période. Un but qui a été marqué tôt lors de cette période médiane. Et par la suite, il y a eu des bonnes séquences à l'attaque. Les filons ont eu leurs opportunités également. Mais Dubourg-Vandal a arrêté le tout. Alors que Bourdange tente de réparer une situation avec ses jambières. Ça semble être au niveau des lacets de sa jambière. On sera prêt à reprendre dans les prochaines secondes. Bourdange récupère sa mitaine et le jeu qui pourra reprendre. Finalement, les filons qui ont remporté la mise en jeu. Rondelle qui se retrouve le long de la rampe. Dufour qui est là. Jolette également. Finalement, c'est récupéré par la vallée Gravel derrière le filet. Dans le coin, à la ligne bleue, Lucier pour la vallée Gravel. La vallée Gravel, une remise à la ligne bleue. Lucier qui tente un tir, retour récupéré, il rate la cible. Louis-Olivier Charland qui a tenté un tir du revers sur un retour. Et ça revient vers Lucier qui rate la cible de nouveau. Jolette qui est là. Et finalement, le dégagement des filons. Lucier qui a la rondelle pour Jolette. Rondelle qui rebondit en zone neutre et par chance, le boomerang qui récupère. Et par la suite, les filons qui enfilent pour la sortie de territoire. Attention! Aubert, une passe derrière lui. C'est bloqué. Francœur qui va sortir de son territoire en compagnie de Philippe Lucier. Lucier tente un tir bas, ça rate la cible. Et les filons qui pourront récupérer. Donc, on s'amène à l'attaque là, du côté de Chapdelaine. Un tir qui est bloqué. Ça sera récupéré à la ligne bleue. Mathieu maintenant. Gauthier en compagnie de Bizier. Lucie qui est là en bataille individuelle pour la rondelle. C'est récupéré là par les filons. Un tir qui rate la cime. C'est un bon tir de Olivier Bizier, pardon. Là, ça va être la sortie de Mathieu. Bloqué par Jolette qui va dégager jusqu'à l'autre bout. Et ça sera refusé. Alors qu'on voit Jolette étendue sur la patinoire. Et la thérapeute du sport, Sandrine Paquette, qui est allée à ses côtés sur la patinoire. Alors qu'il reste 13-07 à jouer en deuxième période. Il ne faudrait pas que la situation s'aggrave là, pour Jolette, et d'autant plus que c'était un défenseur.
En sachant déjà que Mathieu Legendre ne joue pas aujourd'hui en raison d'une suspension, mais il ne faut pas oublier également l'absence de Paul Slivka pour une longue durée. Lui qui a été victime d'une mise en échec sournoise et par derrière donnée par un joueur là, des Nordiques du Collège Lionel Groulx la semaine passée. Et Joey Haché également là, qui est sur la liste des blessés du côté d'André Lorando. En espérant que ça ne soit pas trop grave pour Eliott Jolette. Philippe Lucier qui a la rondelle à la Vallée Gravel. La Vallée Gravel le long de la rampe à Lucier. Ça revient vers Charland. La Vallée Gravel qui est là avec Lucier. Lucier, un tourniquet, prend son temps. Laisse la rondelle filer vers Gauthier. Et là, il y aura un sifflet. La baie vitrée qui a été cassée là, derrière la cage de Dubourg-Vandal. Alors là, les employés du centre récréatif Gadebois devront faire vite. Ils devront réparer cette baie vitrée. Alors qu'on voit Alexandre Dardenneau discuter avec l'arbitre pour expliquer les procédures. Alors que Martin Bernard, lui, donne des instructions à ses joueurs. Stéphane Fizet qui indique au juge de ligne que les employés de la ville sont situés dans la vitrine à la droite du gardien de but Antoine Dubourg-Vandal. Alors, les employés de la ville devront faire vite là, pour mettre une baie vitrée derrière le gardien de but. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive cette année que la baie vitrée derrière le gardien se brise. Ce fut le cas lors d'un match hors concours de l'équipe de Division 2 qui affrontait là, le collège Bourget M18 ici. Et il y avait eu une baie vitrée là, qui avait cassé 2 minutes avant la fin de ce match-là. Alors, les employés de la ville qui vont s'occuper du tout. Les joueurs des deux équipes sont à leur banc. Alors, on va s'arrêter quelques instants le temps de cette réparation et puis je vous retrouverai tout de suite après. Restez là. Aller jouer sur notre place.
Oh! Vous avez pu voir ce pur divertissement au cours des dernières minutes. Vous avez pu voir que l'entraîneur-chef d'Ardenau s'est mis à rigoler avec les officiels pour expliquer les procédures. Et vous venez d'avoir le camion de la resurfaceuse arrivé sur la patinoire puisque l'employé de l'amphithéâtre n'avait pas de budget pour son escabeau et a utilisé le camion de la resurfaceuse pour aller placer la baie vitrée derrière le gardien de but, Antoine Dubourg-Vandal. Et bien voilà, une autre histoire ajoutée dans le grand livre de l'histoire du boomerang de Cégep André Laurendeau qui débute depuis 2009. Bien que cette histoire-là ne soit pas aussi glorieuse que les championnats 2017 et 2018, mais c'en est une bonne, c'en est une divertissante. Alors, le jeu qui va reprendre avec 12-48 à jouer en deuxième période. Le boomerang en avance, 2-0. Bien là, j'ai bien hâte de voir si cette pause aura un impact côté mental pour les joueurs, puisqu'elle a quand même été d'une bonne durée. Rondelle qui est récupérée par Dufour. Ça s'en va le long de la rampe. Bélanger qui est là. Un peu plus loin pour un coéquipier, Jaudoin, qui fait de la bonne surveillance là, dans le coin. Finalement, c'est récupéré par Antoine Lucier. Lucier qui va dégager à l'autre bout. Ça sera accepté puisque c'est réceptionné par Bélanger. Interception en territoire central de Jaudoin. Et ça sera la contre-attaque des Filons. Avec Bélanger pour Boulet qui va dégager à l'autre bout. C'est récupéré par Fortin. Une passe devant le filet de Marcoux qui a vu sortir être bloqué. Et le boomerang qui va récupérer avec Antoine Lucier. Une passe pour Laramie qui s'amène avec une feinte. Il tentait de déjouer les défenses adverses. Mais celles-ci n'ont pas mordu. Et ça n'ira pas plus loin. Mise en jeu dans le territoire du boomerang. Dans le territoire des Filons, pardon. Sauvé qui est au cercle pour le cégep André Laurendeau. Il a été chassé. C'est Franqueur qui s'y retrouve maintenant contre Nadeau. Et c'est récupéré par Simoneau pour Boulet qui tente un tir bas bloqué par Dubourg-Vandal. Ça revient à la ligne bleue. Gagné qui va sortir être bloqué. Récupéré par Gagné de nouveau. Une passe à l'embouchure du filet. Un tir de Simoneau qui est bloqué. Et c'est récupéré par Blanchard. En direction de Marcotte. Qui va se rendre jusqu'au bout. Gagné qui est là. Paquet qui remet devant le filet. Finalement, ça revient vers Marcotte. Et il y aura pénalité contre les Filons pour avoir donné un coup de bâton. Et le boomerang ira en avantage numérique aussitôt que l'équipe en gris touchera la rondelle. Paquet qui remet à Boissonneau. Laramie qui s'amène. Il est mis en échec. Et là, commencement de dispute. Gagné qui était à semi-genouillé là, en retournant vers le banc de pénalité. Et le boomerang qui ira en avantage numérique 1-2 ce soir. Bien hâte de voir la suite pour le cégep André Laurendeau qui voudra tripler son avance. Alors, sur la patinoire, on aperçoit Lou-Olivier Charland en compagnie de Michael Lavallée-Gravel, Adam Gauthier, Charles Paquet et Loïc Franqueur. Gauthier qui a la rondelle, une passe derrière lui pour Charland. Charland qui prend son temps, une passe derrière le filet, finalement ça s'en va. Vers Franqueur, Lavallée-Gravel qui est là, à Franqueur, le tir de Franqueur qui est bloqué, c'est récupéré par Lavallée-Gravel. À la ligne de Ringuette pour Gauthier, ligne bleue, ligne de Ringuette maintenant, c'est Franqueur qui est là, à Charland. Charland prend son temps, transversal vers le filet, finalement c'est récupéré par Franqueur. Permutation avec Gauthier. Gauthier qui prend son temps, tente une passe, c'est bloqué, ça revient vers Charland qui va remettre la rondelle derrière le filet. Et Bourdage qui se fait des amis ici là, à l'aréna Silvio Manta. La rondelle qui se retrouve derrière le filet. Paquet maintenant à la ligne de Ringuette. Charland en compagnie de Franqueur pour Gauthier. Gauthier qui s'amène au cercle. Prend son temps, applique les freins.
Permutation avec Francœur. Francœur, une passe en direction de Charland. C'est imprécis. Il va récupérer toutefois. Charland avec la rondelle. Transversale à Francœur. La remise à Gauthier pour Charland. Le tir qui est bloqué. Ça revient vers Charland. Gauthier maintenant qui récupère à Francœur. Francœur observe ses options. Tente un tir bas. C'est bloqué par Bourdage. Une belle opportunité ici. Une bonne circulation de rondelle. Finalement, le disque se retrouve à la ligne de Ringuette là, avec Francœur qui pousse un peu plus loin. Et ça sera récupéré par Francœur de nouveau dans le coin, au cercle. Une passe devant le filet, c'est dévié à l'extérieur et récupéré par Charland. Le boomerang qui a une excellente possession de rondelle en avantage numérique. Francœur qui remet la rondelle à la ligne bleue, c'est intercepté et récupéré par la suite par Charland. Charland maintenant, un tir bloqué en défensive par Bélanger. Et ça sera récupéré par Milosonny. En compagnie de Lavallée-Gravel, finalement, les filons qui vont dégager. Rondelle qui est sortie à l'extérieur de la surface glacée. Et ça n'ira pas plus loin. 8,59 à jouer en deuxième période. Le boomerang qui a une avance de 2-0. Il y a un temps d'arrêt qui a été demandé par Martin Bernard. Alors, le jeu qui va reprendre. Mise en jeu dans le territoire des filons entre Gravel et Nadeau. C'est remporté par Gravel et par la suite récupéré rapidement là, par les filons. Le boomerang qui a la rondelle. Boissonneau qui dégage. C'est dévié sur le bâton de Milo Cerny. Ça revient le long de la rampe. Boissonneau qui est là. Finalement, le jeu qui se transporte en zone neutre avec les filons qui ont un hors-jeu en entrée de territoire et les juges de ligne qui ont sifflé l'arrêt du jeu. Mise en jeu directement à côté du logo du réseau du sport étudiant du Québec, le RSEQ. Poirier qui a la rondelle. Poirier pour Chapdelaine. Chapdelaine prend son temps. Une remise en zone neutre. Finalement, c'est intercepté par Boissonneau qui va s'amener à l'attaque. 2-1 avec Gravel. Belle interception en défensive là, de Gauthier. Et rondelle qui se retrouve à la ligne bleue. Gravel qui va pousser un peu plus loin. Gauthier qui est là. C'est intercepté par Labrec qui va entrer dans le coin. Labrec qui est mise en échec. Bataille pour le disque. Et quelle mise en échec de Girard ici. Il sera chassé toutefois. Les filons qui iront en avantage numérique. Milo Cerny qui est pris dans une dispute là avec Gauthier. Alors, Girard qui s'en va au banc de pénalité. Alexandre Dardenneau qui appelle au calme Girard, alors qu'on voit un joueur de Thetford se retrouver au banc de pénalité. Je crois que c'est Gauthier. On appelle un Rudet, c'est Milo Cerny qui est là également. Bien hâte de... J'aurais cru que ce serait légal, cette mise en échec-là de Girard. Mais les officiels ont jugé qu'il y avait matière à pénalité. Alors, avantage numérique pour les filons. Un moment clé dans ce match. Chapdelaine à Dufour. À Chapdelaine.
Chapdelaine, une passe à sa droite. Simoneau, une passe devant le filet. Le tir qui est bloqué par Dubois-Vandal. Pas de retour. Alors que Nadeau sera au cercle pour les filons contre Sauvé. C'est remporté par Nadeau. Ça revient à Chapdelaine, à Dufour. Dufour prend son temps. Une passe au cercle. Ça revient vers Chapdelaine. Mathieu à Chapdelaine. À Dufour. À Chapdelaine. Dufour maintenant. Un tir qui est bloqué. Simoneau à Chapdelaine. Chapdelaine tente un tir, c'est bloqué, retour devant, bloqué, une fois, deux fois, c'est raté. Et ça revient à la ligne bleue. Chapdelaine qui a la rondelle, une passe, un tir qui est bloqué. Ça revient en direction là, dans le coin. Finalement, c'est récupéré par Chapdelaine. Chapdelaine, une passe à Simoneau, c'est un peu trop long, ça revient vers Nadeau, à Simoneau pour Chapdelaine. Chapdelaine à Dufour. Dufour, une passe au cercle, tire sur réception qui est bloqué. Paquet qui donne une mise en échec dans le coin. Et finalement, ça revient vers Boisvert. À la ligne bleue maintenant, Chapdelaine qui est là. À Dufour, transversal au cercle, un tir sur réception qui est bloqué. Finalement, c'est récupéré par Boisvert. À la ligne de Ringuette, maintenant on s'installe du côté des filons. Permutation, un tir qui est bloqué, retour devant. Bloqué en défensive par Paquet, dégagement de Sauvé jusqu'à la ligne rouge. Eh bien là, les 90 premières secondes, la pénalité de Girard ont été écoulées. Et là, les filons qui vont s'amener à l'attaque, attention! Un tir bloqué par Dubois-Vandal, pas de retour! Un tir qui provenait de la palette de Philippe Goulet, alors que le boomerang appliquait des changements en même temps. Il y a eu une montée offensive des filons. Mais le gardien de but Dubois-Vandal fait le travail. Les enjeux remportés par le boomerang et aussitôt dégagement à l'autre bout de Jaudoin. Alors la pénalité qui prendra fin là dans les prochaines secondes. On sera de retour à égalité numérique. Poirier qui a dégagé à l'autre bout, Dubois-Vandal qui intervient. Ça s'en va vers Marcotte, intercepté par les filons. Goulet, une passe devant et finalement c'est récupéré par le boomerang. Interception de Bélanger à la suite du dégagement. Poissonneau qui récupère la rondelle déposée par les filons. Et on ira là, à l'attaque là, du côté de Laramé. Attention, 3 contre 2. Une passe derrière. Blanchard qui s'amène. Tire de Blanchard. Rate la cible. Ça s'en va vers Marcotte. Marcotte dans le coin. Prend son temps. Laisse à Blanchard. Finalement, rondelle qui est jouée de façon trop vive. Et on devra recommencer du côté d'André Laurando. Gauthier, une passe vers Laramé. Laramé qui s'amène, une feinte. Une passe à Marcotte. Tire de Marcotte qui est bloqué en défensive. Ça revient vers Arsenault. À Laramé, à Arsenault. Et les filons qui récupèrent la rondelle avec le boomerang qui intervient en surveillance défensive. Ce sera Laramé pour Lucier. À Laramé. Laramé, une passe à Antoine Lucier, c'est dévié, récupéré le long de la rampe. Et les filons qui vont entrer avec Marcoux, mais bien bloqué en défensive par Arsenault. C'est récupéré par Antoine Lucier qui va filer la rondelle le long de la rampe. Et c'est récupéré par Bélanger pour Boulet. Boulet, à l'autre bout, Paquet qui a le disque. Paquet qui a la rondelle. Et... on siffle l'arrêt du jeu puisque le filet de Dubois-Vandal a quitté ses amarres en raison d'un contact entre Boulet et Jaudoin. Ça n'ira pas plus loin avec 4-27 à jouer en deuxième période. Le boomerang en avance. 2-0 grâce à Simon Laramé qui a marqué un peu plus tôt en deuxième. Alors, les pénalités qui ont été appelées, c'est une pénalité d'assaut qui avait été appelée contre Félix Girard un peu plus tôt. Là. Gauthier qui a le disque, laisse le long de la rampe, c'est récupéré par Charland à Jaudoin.
Charland maintenant qui va s'amener à l'attaque en compagnie de Francœur et la Vallée Gravel. Une passe en direction de Paquet, c'est coupé. Ça revient en zone neutre. Paquet qui est là. Finalement, Jaudoin qui récupère derrière son filet à Paquet. Ça devient une bataille pour le disque dans le coin. Le Boomerang qui voudra gagner cette rondelle. Une bataille à plusieurs joueurs. Francœur qui était impliqué également. Finalement, c'est Jaudoin qui va sortir de cet enclos. La Vallée Gravel maintenant pour Francœur. Francœur à Charland. Charland qui va s'amener, tente de contourner le défenseur. Ça ne fonctionne pas. Gagné là, qui le retenait un peu. Et les filons qui vont tenter une sortie. Ça ne fonctionne pas. Milo Cerny qui force la rondelle dans le coin. Milo Cerny, une passe devant le filet. Et finalement, le filet qui a quitté sa position initiale et on a sifflé l'arrêt du jeu. Il y a eu un peu de chamaillage entre les joueurs. Et rien de majeur à signaler. Alors qu'on voit les Rock Me Men du Boomerang intervenir. Serait-il des obstacles pour les joueurs des filons, ces Rock Me Men du Boomerang? Et Gauthier qui se fait scander son nom. Eh bien, bienvenue dans le House of Pain du hockey collégial, mesdames et messieurs. Mise en jeu qui est remportée par le Boomerang. Un tir de Gravel qui est bloqué. C'est récupéré par Dufour. Interception là, de Girard. Lucier qui rate son tir. Finalement, ça revient vers Gravel. Une passe à Milo Cerny devant vers Girard. C'est intercepté par Dufour le long de la rampe. Philippe Lucier qui est là. Lucier prend son temps. Laisse à Boissonneau. Tir frappé de Boissonneau. Ça touche le casque du joueur pour par la suite se retrouver dans l'écran protecteur et ça n'ira pas plus loin. Alors que la voix du président du comité des parents du Boomerang, Serge Gravel, se fait entendre dans la foule. Ça me rappelle des beaux souvenirs de l'année 2018, où est-ce que les parents étaient très actifs dans les estrades. Alors que les filons ont la rondelle, Chapdelaine qui voit cette rondelle être interceptée par Gauthier pour Marcotte maintenant, qui va déborder Orlais, applique les freins, prend son temps, Marcotte laisse la rondelle libre. Finalement, c'est récupéré par les filons et ça sera Boisvert qui a la rondelle. Boisvert prend son temps, une passe bien coupée par Gauthier, récupérée par Paquet pour Blanchard. Blanchard qui va laisser la rondelle en fond de territoire. Ça revient vers Marcotte. Marcotte qui a le disque, prend son temps. Est mise en échec. Une remise le long de la rampe, ça s'en va vers Paquet. Paquet dans le coin. Il tire qui rate la cible. Blanchard qui est là. Finalement, c'est les filons qui vont sortir avec cette rondelle. Un dégagement à l'autre bout de Boisvert, récupéré par Dufour pour un tir bloqué. Gauthier qui sort de son territoire avec 1:40 à jouer en deuxième période. Le Boomerang en avance 2-0. Boulet qui s'amène à l'attaque. Boulet bien surveillé. Jaudoin le coince de sorte qu'il doit dégager. Lucier qui est mis en échec. Ça revient à la ligne bleue maintenant. Mathieu qui est là. Pose le disque derrière la cage du Boomerang. Ça devient une bataille, là. Le Boomerang qui tente de gagner le disque. Il y aura une pénalité signalée contre le cégep André Lorando. Et là, commencement de dispute. Lucier qui a donné une mise en échec dans le coin. Et on appelle une pénalité pour avoir retenu. Qui ira au cachot? C'est Eliott Boissonneau qui ira au banc de pénalité. 1 minute 12 à jouer en deuxième période. Le Boomerang qui voudra écouler la première portion de cette pénalité sans donner de but. Les enjeux gagnés par les filons. Dufour qui a le disque. Dufour prend son temps. Avec la rondelle, laisse à sa droite pour Chapdelaine. Là, on s'installe là, du côté de Thetford. Avec Chapdelaine pour Dufour. Dufour. Une passe devant le filet, tire le but!
marqué en avantage numérique sur un tir sur réception. Une belle pièce de jeu créée par les Filons, complétée par Benjamin Simoneau. Et c'est maintenant 2-1. Avec 56,6 secondes à jouer à la deuxième période. Bien là, si on regarde les buts marqués ce soir, deux buts marqués en avantage numérique entre les deux équipes. Un seul but à égalité numérique. Donc on s'amène à l'attaque là du côté de Nadeau. Nadeau, une passe devant le filet. Le tir! Et c'est bloqué par Dubon Vandal qui vient de voler un but à Simoneau qui venait d'en inscrire un. Et bien là, ça c'est une belle revanche. Quel arrêt d'Antoine Dubon Vandal! Absolument spectaculaire. Un tir qui rate la cible. C'est récupéré par la Vallée Gravel. Une bataille pour la rondelle, encore une fois. Récupéré par Gauthier. Interception de Nadeau. Passe devant le filet. Finalement, c'est coupé par Charland. Le long de la rampe, le boomerang qui tente de sortir, ça ne fonctionne pas. Les Filons qui interviennent. Interception de Gauthier pour la Vallée Gravel. Il va rester une vingtaine de secondes à jouer dans cette période médiane. Charland qui s'amène à l'attaque. Charland prend son temps. Une passe devant le filet. Un tourniquet. On tentait de rejoindre la Vallée Gravel. Ça ne fonctionnait pas. Nadeau qui va s'amener à l'attaque. Passe coupée dans les patins. C'est récupéré par Francœur pour Charland. Aura-t-il le temps? Non! Il a été coupé par le capitaine des Filons, Antoine Bélanger. Ça n'ira pas plus loin. Là, entre-temps, il y a eu un contact là, dans le coin. Et les juges de ligne qui vont intervenir. Alors, beaucoup d'émotion dans ce duel. Comme à l'habitude, entre les Filons et le boomerang, toujours d'animosité entre ces deux formations. Alors, le boomerang en avance 2-1, puisque Simon Laramé a marqué à 2-0-6 à égalité numérique sur des passes d'Arsenault et de Léandre Jaudoin. Et par la suite, en toute fin deuxième période, dis-je, Benjamin Simoneau qui va compléter un tir sur réception sur des passes de Justin Dufour et de Gabriel Chapdelaine pour réduire l'écart à un but. C'est maintenant 2-1 entre les deux équipes. On s'arrête le temps de l'entracte et on vous retrouve dans environ une dizaine de minutes, 12 minutes peut-être, pour le début de la troisième période de ce match. Restez là, mesdames et messieurs. C'est un bon but que Tony Lou nous a fait? Ah oui, tu l'as encerclé. Non, ça c'est starting line-up. C'est qui a scoré? Lucier, il a ramé pour nous autres, Simoneau pour eux. Mais c'est ça, Lucier a scoré? Ouais. C'est un beau but? Ouais, quand même. C'était quoi? C'était un power play, tu sais, sur réception. Great shot.
Nous sommes de retour pour la troisième période de ce match très excitant entre les filons du cégep de Thetford Mines qui tirent de l'arrière aux mains du boomerang du cégep André Laurando au compte de 2-1. Simon Laramé et Antoine Lucier, le frère de Philippe, qui ont été les auteurs des deux buts de la troupe d'Alexandre Dandenault, alors que Benjamin Simoneau a été celui qui a été l'unique marqueur du côté des filons. Alors que le gardien intervient! Oh! Une chance en or ratée ici, là! Le gardien de but, Bourdage, qui avait offert une belle pizza au cercle, mais Girard avait raté la cible sur cette séquence. Le jeu qui se poursuit. Alors qu'on s'installe là, du côté des filons pour un long dégagement qui sera refusé contre la troupe de Martin Bernard. Et ça n'ira pas plus loin. La mise en jeu qui sera jouée dans le territoire de l'Orange et des filons, en zone offensive pour l'Orange et Marine, voilà. Les enjeux rapportés par le boomerang là, avec Gauthier qui laisse filer le disque le long de la rampe. Finalement, ça devient une bataille. Laramé qui est là, il n'a pas pu gagner le disque. Ça revient vers Boisvert pour un dégagement en zone neutre récupéré par Philippe Lucier. Philippe Lucier prend son temps. Laisse la rondelle en direction d'Arsenault à une main pour Laramé. Laramé qui s'amène avec deux feintes plutôt qu'une. Laramé tire! C'est bloqué! Ça revient vers Lucier en direction de Gauthier maintenant. Gauthier derrière le filet. Ça s'en va vers Laramé qui pousse vers le gardien qui immobilisera le tout. Ça n'ira pas plus loin. 18-46 à jouer en troisième. Toujours 2-1 la marque pour la troupe d'Alexandre Dandenault. Mise en jeu qui est jouée dans le territoire de l'équipe visiteuse. Charlan qui a la rondelle. Charlan laisse filer le disque le long de la rampe. Finalement, c'est un dégagement à l'autre bout. Au niveau des tirs au but, là, après deux périodes, c'était 23-10 en faveur de Thetford. 11-12 en première et deuxième période pour les filons. Du côté d'André Laurando, 5-5 les tirs au but lors des deux premiers engagements. Paquet qui laisse la rondelle à la ligne bleue. Ça s'en va vers Charlan qui pousse un peu plus loin. Finalement, c'est récupéré là, par Paquet, encore une fois, qui va dégager à l'autre bout. Et ça sera refusé contre l'Orange et Marine. Ça n'ira pas plus loin. 18-05 à jouer en troisième. Un match très excitant à regarder. Lorsqu'on regarde les buts qui ont été marqués, là, un seul but marqué à égalité numérique entre les deux formations, pour vous dire combien que c'est serré. Un tir qui rate la cible. Rondelle qui se retrouve sur la palette de Nadeau. Nadeau qui est bien surveillé par Paquet. Finalement, ça s'en va vers la vallée Gravel en compagnie de Paquet. Dans le coin, le Nadeau qui est là également. Ainsi que Simoneau. Arsenault qui s'est joint à la bataille. Finalement, la rondelle est filée le long de la rampe et ça s'en va vers Poirier. Poirier pour un coéquipier derrière le filet. La passe en direction de Simoneau. Goulet qui tente un tir. C'est bloqué par Antoine Dubourg-Vandal qui, encore une fois, vole un but au filon. Probablement une des meilleures performances d'Antoine Dubourg-Vandal dans l'uniforme orange et marine. Connaît tout un match ce soir. Sauvé qui remporte la mise en jeu. Et ça sera récupéré par Blanchard. Blanchard, le long de la rampe, ça s'en va en direction de Marcotte. Intercepté à la ligne bleue par Labrec et c'est repoussé par Dubourg-Vandal. Rondelle qui est allée dans le filet protecteur et ça n'ira pas plus loin. Et le numéro 24, Thomas Gauthier, qui s'est fait des amis dans l'équipe de rugby du boomerang. Vous venez d'entendre des Gauthier, Gauthier, Gauthier dans les estrades de façon beaucoup plus nargante
que de ma part, évidemment. Sauvé qui a la rondelle, laisse le long de la rampe. Finalement, c'est un dégagement récupéré par Gagné. Gagné qui laisse filer la rondelle le long de la rampe. Le boomerang qui tente de maintenir une attaque. Voilà, c'est fait en compagnie de Marcotte. Laisse pour Sauvé. Derrière lui, Blanchard qui est là. Appuie l'attaque. Blanchard au coin pour Marcotte. Finalement, ça s'en va vers Sauvé derrière le filet. Sauvé. Trébuche laisse filer la rondelle le long de la rampe et les filons qui pourront sortir en compagnie de Labrec. Labrec qui s'amène bien coupé par Philippe Lucien en défensive avec son bâton. Et là, c'est Marcotte qui a la rondelle. Marcotte prend son temps avec le disque. Laisse le long de la bande et finalement, c'est récupéré par Dufour dans son territoire. Dufour à la ligne centrale. Et on s'installe là, du côté d'Aubert. Aubert avec le 10. Tente une transversale. C'est bien coupé par Paquet qui va remettre à Gravel qui va s'amener à l'attaque. Lucas Gravel s'amène. Le tir! Ça touche le filet protecteur derrière le gardien Bourdange. Et là, on continue d'attaquer là, du côté d'André Lorando, mais Bélanger qui a le disque pour Dufour. L'échec avant du boomerang qui fait des siennes. Attention, on s'amène du côté de Gravel. Une feinte. Deux fois. La passe avant. Le tir qui est bloqué. Quelle présence de Lucas Gravel à l'attaque. Et là, c'est la contre-attaque de Dufour qui rate complètement son lancer. Ça s'en va vers Bélanger qui laisse la rondelle dans le coin. Aubert maintenant. Une passe devant. Un tir. C'est bloqué par Dubourg Vandal. Et pas de retour. Avec 15-29 à jouer. En troisième. 2-1 la marque pour le cégep André Lorando. Laramie qui a la rondelle. Laramie prend son temps, s'amène à la ligne rouge. Un dégagement de l'autre côté. Finalement, une passe interceptée. Ça provenait du bâton là, de Laramie. Laramie qui est très rapide, très habile. En protection de rondelle, effectue des belles feintes. Là, c'est un long dégagement des filons qui sera refusé. Boissonneau qui a gagné cette course et Martin Bernard qui n'était pas certain de cette décision. Mais bref, c'était très serré. Très serré. Parfois, on peut juger une décision du juge de ligne, mais en même temps, l'entraîneur est au vent. Le juge de ligne est à côté de la situation. C'est une question d'interprétation rendue là. Lucier qui laisse le long de la rampe. Finalement, la rondelle est bloquée par Arsenault à la ligne bleue. Arsenault qui tente d'immobiliser la rondelle pour ses coéquipiers et Jodoin qui s'est joint à la bataille pour laisser filer le disque. Attention, on aurait pu s'échapper du côté de Lucier, ça n'a pas fonctionné. Les filons qui ont dégagé et par la suite le boomerang qui a riposté avec un dégagement qui sera refusé contre la troupe d'Alexandre Dandeneau qui en est à sa 13e saison derrière la bande du boomerang. C'est arrivé à la barre du cégep André Lorando en 2010. Martin Bernard qui est là depuis quelques années maintenant du côté de Thetford Mines. Un tir qui est bloqué. Pas de retour. Martin Bernard qui est avec l'organisation des filons du cégep de Thetford depuis la saison 2019-2020. Alors que le boomerang vient de dégager à l'autre bout, il sera récupéré par Bourdange. C'est un dégagement vers Simoneau. Une passe à Gagné. Gagné qui s'amène à l'attaque. Prend son temps. Un tir qui est repoussé par le gardien. C'est Charland maintenant qui a laissé filer le disque le long de la clôture. Goulet qui a la rondelle. Goulet
Là, c'est à Chapdelaine. Et c'est une passe qui ne fonctionne pas du côté des filons. Et on applique des changements du côté du banc du boomerang. Stéphane Fizek est avec l'organisation des filons du cégep de Thetford Mines depuis la saison 2016-2017. Labrec qui a la rondelle. Labrec prend son temps. Là, c'est à la ligne bleue. Dufour qui tente un tir voilé. Retour récupéré par Labrec qui est bloqué en défensive. Ça revient vers Dufour. Et cette fois-ci, intercepté par Sauvé et Marcotte. Sauvé qui a perdu la rondelle en zone neutre, récupéré par Dufour et son capitaine Bélanger. Labrec maintenant qui s'amène. Labrec à Bizier. Finalement, la rondelle est libre du côté droit. Ça revient à la ligne bleue. Tir qui est bloqué par Sauvé qui laisse filer la rondelle en zone neutre. Un dégagement par la suite de Thetford et on applique des changements là, du côté du banc à Bernard Fizet. Les filons qui ont la rondelle et Boisvert qui viennent d'être mis en échec assez solidement par Blanchard. Et là, c'est récupéré par Marcotte. Les joueurs des filons vont s'amuser dans un party avec les joueurs de rugby du boomerang si ça continue comme ça. À chaque fois qu'il y a des bonnes mises en échec, les rugbymen du boomerang scandent les noms de famille des joueurs victimes de ces mises en échec-là. C'est quand même assez inusité. Honnêtement, si on pouvait, on inviterait les joueurs de rugby du boomerang à tous les matchs de tous les sports. Mais vous comprendrez bien que le clonage n'existe pas et qu'on peut les mettre un peu partout. Rondelle qui se retrouve le long de la rampe. Milos Erny qui dégage à l'autre bout. Bélanger qui est là. Ça revient vers Lucier à la ligne bleue. Au cercle maintenant. Girard qui a poussé un peu plus loin. Dufour qui est là également. Mise en échec de Milos Erny. Il y aura pénalité. Il y aura pénalité pour avoir retenu. Et Daniel Milos Erny ira au banc de pénalité pour avoir retenu. Et les rugbymen du boomerang qui se font entendre. Mise en jeu à la droite d'Antoine Dubourg-Vandal avec 12-14 à jouer en troisième période. Les filons qui ont la rondelle là. On s'est installé pour la sortie de territoire. Nadeau qui a le disque. Chapdelaine, pardon. Qui pousse un peu plus loin. Finalement, ça revient vers Boisvert. Boisvert, une remise à la ligne bleue. Ça revient vers Dufour. Dufour, permutation avec Chapdelaine. Une passe à Simoneau pour Chapdelaine qui tire. Ça rate la cible. Ça revient vers Dufour. Dufour maintenant, mise en échec de Blanchard. Bonne mise en échec le long de la rampe. Finalement, style dégagement à l'autre bout de la part de William Blanchard, qui a été très solide sur cette séquence. Qui, deux fois plutôt qu'une, a mis en échec le joueur des filons. Et là, c'est un dégagement à l'autre bout récupéré par Dubourg-Vandal. Le boomerang qui voit cette rondelle être interceptée. Ça revient vers Simoneau, l'auteur de l'unique but des filons. Ça revient à Chapdelaine pour Simoneau. Simoneau prend son temps, une passe devant lui. Une passe. Oh, et Dufour là, qui aurait pu en profiter, mais ça n'a pas fonctionné. Rondelle transversale pour Simoneau. La passe devant le tir qui rate la cible. Et finalement, le boomerang qui sortira de son territoire alors qu'il va rester 37 secondes à écouler à la pénalité de Milos Erny. 10-45 à jouer en troisième. Les filons qui ont la rondelle. Il reste environ 17 secondes à écouler à la pénalité de Milos Erny. Rondelle qui se retrouve en fond de territoire. Finalement, c'est récupéré à la ligne bleue. Bélanger qui est là pour gagner.
Gagné qui prend son temps à Bélanger. À Gagné maintenant. Tire sur réception qui est bloqué en défensive. Ça revient vers Dufour. Dufour derrière le filet. Retour à égalité numérique, 5 contre 5. Passe de l'autre côté, un tir qui est bloqué par Dubourg-Vandal. Girard qui va passer à Marcotte. Une passe en direction de Laramie qui va s'amener à l'attaque. Laramie tente un tir, c'est bloqué par le gardien. Réinterception du boomerang, un tir qui est bloqué. Cette fois-ci, ça provenait de Lucier. Laramie qui a la rondelle. Laramie prend son temps. Perd sa bataille. Et ça sera la sortie des filons. Avec Mathis Dufour, une passe devant le filet. Un tir qui rate la cible. Finalement, ça revient derrière le but avec Philippe Goulet. Ligne bleue maintenant. Les filons qui s'installent. Un tir qui rate la cible cette fois-ci de la part d'Aubert. Bonne mise en échec le long de la rampe ici. Là. Et finalement, le boomerang qui sortira de son territoire avec Gauthier. Intercepté à la ligne rouge. Et là, on s'amène à l'attaque là, du côté des filons. Récupéré par Gauthier qui joue un excellent match aujourd'hui. Et là, Lucier qui est bien pourchassé par son adversaire. Les filons qui vont retourner à l'attaque avec Mathieu qui dégage à l'autre bout. Intervention de Vandal, pas de retour. Commencement de dispute. Et là... les juges de ligne qui vont intervenir. Alexandre Dardenneau qui demande une pénalité au filon. Et ça n'ira pas plus loin. Mise en jeu. Dans le territoire du boomerang, 5 contre 5, Marcoux contre Charland au cercle avec 8,49 à jouer. Chapdelaine tente un tir, c'est bloqué. Et la rondelle qui sort. Gagné qui a la rondelle. Gagné pour son coéquipier. Chapdelaine, un dégagement à l'autre bout. Ce sera récupéré par Fortin. Une passe coupée. Attention, les filons qui répliquent avec un tir bloqué. C'est récupéré par la Vallée Gravel. Chapdelaine qui intercepte, une passe dans le couloir libre qui ne trouve pas preneur. Et c'est Boissonneau qui aura le disque pour son coéquipier Jaudouin à Francœur. Une petite passe en direction de Charland qui s'amène à Francœur. Ça ne fonctionne pas. Et les filons qui vont s'amener à l'attaque avec Bizier, bien pourchassé en défensive. Tire qui rate la cible. Ça provenait de la brèque. Finalement, Rondel qui se retrouve... le long de la rampe. Une passe interceptée, là, récupérée par Bizier. Bien surveillée par la Vallée Gravel et Gauthier. Double mise en échec dans le coin. Les filons qui continuent l'attaque. Un tir bloqué par Dubourg-Vandal. Ça n'ira pas plus loin. 7,44 à jouer. À la troisième période de ce match. Toujours 2-1, le boomerang qui mène. Et Alexandre Dardenneau qui vient de demander son temps d'arrêt. Qui va reprendre à la droite du gardien de but Dubourg-Vandal qui connaît un excellent match aujourd'hui. Un dégagement du boomerang et là, ça sera la course pour la rondelle gagnée par Gravel. Gravel qui tentait une passe, mais bien coupée par Justin Dufour. Et rondelle qui se retrouve le long de la rampe. Gauthier qui est là, tente un tir capté, qui a été capté, dis-je, par le gardien de but Bourdange et ça n'ira pas plus loin. 7,29 à jouer. En troisième.
Le boomerang qui a la rondelle. Marcotte. Vers Sauvé. À Jaudoin. Qui rate son tir. Ça s'en va. Vers Paquet. À Blanchard. Pour Sauvé. Sauvé. Prend son temps. À Blanchard. Blanchard le long de la rampe. Ça s'en va vers Marcotte. Qui échappe la rondelle. Les filons iront en contre-attaque avec le dégagement ici de Simoneau. Récupéré par Jaudoin. Jaudoin. Un tourniquet. Échappe le disque. Un tir bloqué par Dubourg-Vandal. Ça provenait de Simoneau. Et ça n'ira pas plus loin. 6-51 à jouer. En troisième période. Le boomerang qui a une légère avance d'un but. Les trois buts ce soir marqués. D'abord du côté d'André Laurendeau, Lucier et Laramie. Du côté des filons, c'est Benjamin Simoneau qui a été l'auteur de l'unique but des siens. Poirier qui tente une passe devant le filet. Finalement, ça s'en va vers le gardien de but du Bourg-Vandal. Et c'est bloqué. Mise en jeu dans le territoire d'André Laurendeau. Et c'est Aubert qui est le premier sur cette rondelle. Aubert est mis en échec le long de la rampe. Gravel qui est là. Gravel évite des mises en échec. Superbe possession de rondelle là-dessus. Une passe interceptée toutefois, ça devient un revirement. Revirement cette fois-ci de Boisvert et le boomerang pourra sortir avec Milo Cerny qui s'amène à l'attaque. Se défait d'un couvreur, une passe devant lui. C'est intercepté et c'est récupéré par Aubert. Interception de Milo Cerny qui évite le hors-jeu. Et oh, Gravel! C'était quand même... ouais, c'est ça. Je pense que les réactions de la foule voulaient tout dire. C'était quand même très serré sur cette séquence-là. Lucier qui remporte la mise en jeu, c'est récupéré par Gauthier pour un dégagement à l'autre bout. Ça s'en va vers Bourdange. Et le boomerang qui va récupérer avec Laramie. Gauthier maintenant. Gauthier, un dégagement à l'autre bout. Et Lucier qui est le premier sur cette rondelle en compagnie d'Arsenault, finalement intercepté par les filons. Ça sera Chapdelaine qui va s'amener à l'attaque et bien surveillé à la ligne rouge de sorte qu'il doit dégager. Il va rester 5 minutes 40 à jouer en troisième. Interception de Boulet. Boulet tente un tir, ça rate la cible. Ça s'en va vers Marcoux, récupéré par Laramie. Finalement, le boomerang... qui récupère le disque. La vallée Gravel qui s'amène à l'attaque. La vallée Gravel prend son temps. Il va d'une feinte faire contrôle du disque. Et ce sera le dégagement de Fortin bloqué par Boissonneau qui va s'amener à l'attaque. Boissonneau s'amène. Se défait d'un couvreur. Prend son temps. Boissonneau contourne. L'envoie à la ligne de Ringuette. Paquet maintenant qui est là. C'est dévié à l'extérieur. Récupéré par Laramie. Laramie le long de la rampe pour la vallée Gravel. La vallée Gravel. Bataille pour la rondelle. Finalement, c'est récupéré par Charland. Tir du revers qui est bloqué. Retour récupéré par Boulet qui va s'amener en contre-attaque là, en compagnie de Nadeau. Une passe interceptée. Et ce sera la contre-attaque cette fois-ci de Charland en compagnie de Franqueur. Franqueur qui s'amène à l'attaque. Franqueur laisse derrière lui. Paquet, Charland. Charland tire. C'est bloqué. Louis-Olivier Charland qui avait une belle occasion ici d'inscrire un but. Et là, c'est Boissonneau maintenant qui tente un tir bas, c'est bloqué. Le gardien Bourdange qui connaît un bon match lui aussi. Finalement, la vallée Gravel qui est là, laisse à la ligne bleue. Boissonneau, une passe qui manque de précision. Ça sera Paquet qui a la rondelle. Paquet, avec 4 minutes à jouer en troisième. La vallée Gravel qui a la rondelle, laisse à la ligne rouge. Dufour maintenant pour... son coéquipier, un tir de Bélanger. C'est intercepté là, par les filons, attention. Et finalement, Franqueur qui va glisser cette rondelle dans le territoire des filons à une main. Et le boomerang pourra appliquer des changements. Un dégagement à l'autre bout qui ne sera pas refusé. Il va rester 3 minutes 30 à jouer
Je voulais dire 36, mais je me suis perdu pied dans mes mots. Le boomerang qui s'amène à l'attaque avec Sauvé. Finalement, c'est Chapdelaine qui est là. Chapdelaine laisse le long de la rampe, mise en échec de Gauthier. Un dégagement récupéré par Blanchard pour Lucier. Lucier, un long dégagement à l'autre bout. Et ça sera refusé contre la troupe d'Alexandre Dardenneau avec 3-0-7 à jouer. En troisième période. Un tir qui est bloqué par Dubois-Vandal. Pas de retour. Et commencement de dispute. Mais les juges de ligne qui vont intervenir. Les joueurs qui s'échangent des mots. Ce sera une mise en jeu dans le territoire d'André Laurendeau. C'est le boomerang qui a la rondelle en bataille avec les Filons qui ont remporté cette bataille. Gagné qui tente un tir, ça rate la cible. Finalement, les Filons qui ont la rondelle. Une passe devant le filet, mais le boomerang qui dégage. Ça revient à la ligne bleue. Chapdelaine maintenant qui est là. Chapdelaine tente un tir, ça rate la cible. Finalement, ça s'en va vers Gagné. Gagné, une passe coupée. Et le boomerang qui va récupérer. Et un dégagement par la suite. Boulet qui s'amène à l'attaque. Aubert, pardon. Une passe devant qui est bloquée. Mise en échec pour la rondelle. 2-15 à jouer en troisième. Le boomerang qui a la rondelle. Interception, non, pour éviter le hors-jeu. Donc c'est Jodoin qui a le disque en compagnie de Paquet. Paquet, une passe devant lui. Arsenault qui est là. Arsenault prend son temps, envoie à l'autre bout. Finalement, c'est récupéré par la formation visiteuse. 1-48 à jouer en troisième. Il faudra surveiller le gardien des Filons, là. Nadeau qui s'amène à l'attaque. Nadeau s'amène la fête, le tir! Et compte! Superbe fête de Nadeau sur cette séquence! Qui vient de battre Antoine Dubois-Vandal avec une pièce de jeu absolument superbe. Et l'égalité a été créée, c'est 2-2. Avec 1 minute 37 à jouer, l'égalité qui vient d'être créée. Le boomerang qui dégage et finalement ça s'en va vers le gardien de but Bourdange et ça n'ira pas plus loin. Alors une bonne période disputée par les Filons. Le boomerang qui voudra trouver le moyen d'ajouter 2 points à sa fiche. Bélanger qui a la rondelle le long de la rampe finalement. C'est bloqué par Antoine Lucier. Finalement, c'est une bataille pour le disque. Le boomerang qui remporte cette bataille. Attention, Laramie qui s'amène. Laramie est bien pourchassé. Laisse la rondelle filer. Et là, ça sera récupéré par Gauthier qui l'envoie de l'autre côté. Mathieu qui va dégager à l'autre bout. Et ça sera refusé avec 59,5 secondes à jouer. Le boomerang qui a reconnu un match très serré contre une des très bonnes formations du circuit OG. Et les Filons qui viennent de demander un temps d'arrêt. Thank you.
Alors, mise en jeu dans le territoire des Filons. La Vallée Gravel contre Ednado. C'est gagné par la Vallée Gravel. Jaudoin qui laisse la rondelle derrière le filet. Finalement, c'est un dégagement qui sera récupéré par Boissonneau. Boissonneau prend son temps, laisse à la Vallée Gravel. La Vallée Gravel, le long de la clôture pour Charland, qui est mise en échec par Marcou. Finalement, c'est un dégagement des Filons. Course pour la rondelle entre Fortin et Boissonneau. Ça a été remporté par les Filons et par la suite, le boomerang qui ira en contre-attaque là, en compagnie de Charland qui tente de poser la rondelle derrière les défenses adverses. Ça ne fonctionne pas. Dégagement de Boulet à l'autre bout. Dubourg Vandal qui va intervenir. Laisse le long de la rampe. Finalement, Marcou qui laisse à Chapdelaine. Un tir qui rate la cible. Les Filons qui ont la rondelle là, avec Fortin. Fortin contourne, s'en va dans le coin. Laisse à Chapdelaine qui tente un lancer. Et en même temps, le filet avait quitté ses amarres. Et ça n'ira pas plus loin. 5,9 secondes à jouer en troisième période. C'est 2-2 entre les Filons de Cégep de Thetford et le boomerang de Cégep André Laurendeau. Mise en jeu gagnée par le boomerang. Un dégagement de Gauthier le long de la clôture. Et ce match ira en prolongation au bout de 60 minutes de jeu. Alors que le boomerang menait 2-1 après 40 minutes de jeu, eh bien, un seul but a été marqué vers la fin de la troisième période, précisément à 18 minutes 23 secondes. Mathieu Nadeau a marqué pour créer l'égalité avec une belle feinte pour vaincre le gardien de but Dubourg Vandal et Philippe Goulet qui a été le complice sur ce but. Un but marqué en avantage numérique de chaque côté ainsi qu'un but à égalité numérique pour vous dire combien ce match fut très serré. Et là maintenant, il y aura période de prolongation 3 contre 3. Et s'il n'y a pas de but au bout de ces 5 prochaines minutes, eh bien, ce sera une séance de tir de barrage. On va reprendre sur la patinoire du côté d'André Laurendeau, Boissonneau, Lucier et Laramé, Antoine Lucier. Et du côté des Filons, Mathis Dufour, Justin Dufour et Nathaniel Aubert. C'est parti pour cette période de prolongation. Aubert qui a la rondelle. Laisse pour Dufour à Aubert. Aubert qui s'amène hors l'aile. Pose la rondelle derrière Laramie. Et course pour la rondelle contre Lucier. Et là, ça devient une bataille à 4 pour la rondelle. Et c'est récupéré par Laramie. Une passe! C'est récupéré par Lucier pour Laramie, pardon. Et un long dégagement qui a été refusé. Alors, on devra reprendre dans le territoire du boomerang. 4:35 à jouer à la période de prolongation, 3 contre 3. Nadeau qui est au cercle pour les Filons. Chapdelaine qui est là. Chapdelaine prend son temps. Laisse la rondelle le long de la rampe. Ça s'en va vers Nadeau. Nadeau contourne le filet.
est bien surveillé par Antoine Lucier. Rondelle qui est sur la palette de Nadeau. Attention, il s'amène, tire bas qui rate la cible. Finalement, ça s'en va sur la palette là, de Simoneau, qui est l'auteur du premier but des filons. La passe d'avant, le filet, ça ne fonctionne pas. Récupéré par Laramie. Attention, possible 2 contre 1. Laramie s'amène en attaque. Laramie s'amène, tire, rate la cible. Laramie qui gagne ce rebond pour la rondelle et va l'envoyer à Gauthier. Et le boomerang aura toujours possession de la rondelle en compagnie de Laramie. Pour Charland qui va s'amener à l'attaque. Charland s'amène, une feinte, une autre, tire qui est bloqué. Charland récupère son retour pour Gauthier. Et ce sera une passe à Arsenault en zone neutre. Arsenault à Charland. Charland prend son temps. Charland laisse à Arsenault. Arsenault contourne le filet. Et on siffle l'arrêt du jeu pour le filet déplacé. Et les partisans du boomerang qui ne sont pas d'accord avec la décision. Mise en jeu qui s'effectuera tout de même dans le territoire des filons. Arsenault et Charland et Gauthier du côté d'André Laurando, alors qu'on verra Marcou Fortin et le numéro 28 là, des filons, qui a la rondelle d'ailleurs. Boulet. Une passe de l'autre côté, ça ne fonctionne pas. Et le boomerang qui va récupérer là, pour un dégagement. Marcou qui a le disque. Marcou, une passe devant lui. Fortin qui est là, en compagnie de Justin Dufour, avec Marcou. Marcou qui s'amène à l'attaque. Marcou s'amène, une feinte, une autre, le but! Marcou qui marque! Et le boomerang donne, subit la défaite contre les filons du cégep de Thetford en prolongation. Donc, on va annoncer les 3 étoiles dans quelques instants. Donc, la marque finale, la victoire des filons du cégep de Thetford Mines en prolongation au compte de 3-2. Un match très serré entre les deux formations. Et les filons qui retourneront à la maison avec 2 points en banque, alors que le boomerang ajoutera 1 point à sa fiche. Marque finale 3-2. Les 3 étoiles du match. Samy Marcou, la première. La deuxième, Antoine Dubois-Vandal pour le boomerang. Et Benjamin Simoneau, la 3e étoile du match d'aujourd'hui. Donc, c'est ce qui met un terme au match de ce soir. Le prochain match du boomerang au niveau collégial masculin. Division 1, si on se fie à l'horaire de l'équipe. Je regarde ça à l'instant. Le prochain match est vendredi prochain, dès 20h, alors que les champions en titre du circuit OG, les Griffons du cégep de l'Outaouais, seront l'équipe visiteur ici même au centre récréatif Gadbois. Et le lendemain, le boomerang sera du côté du stade LP Gaucher pour y affronter la troupe de Martin Russell, les lauréats du cégep de Saint-Hyacinthe. Et le boomerang jouera d'ailleurs demain du côté de l'aréna de l'Université Concordia pour un match hors concours contre l'équipe masculine Division 2 de cette université. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Mon nom est Tristan Mac. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et on se retrouve très bientôt pour une prochaine web diffusion du boomerang du cégep André Laurando, en vous rappelant la marque finale ce soir, victoire des filons du cégep de Thetford Mines au compte de 3-2 en prolongation.